Écoutons à présent l'intervention pour plus de précision du président de la commune de Balbala concernant les points à l'ordre du jour de cette réunion. À part à cette grande honneur et immense joie pour moi de participer avec vous, cet atelier de réflexion d'intérêt général. D'où nos idées communes qui se pointent ou se concordent sur la même trajectoire, celle de penser ensemble, de réfléchir sur le comment améliorer le cadre de notre commune de Belbelin, qui nous appartient à nous tous, sur le comment lutter main dans la main cette insalubrité environnementale qui nous a fait tout mal au cœur. Par ailleurs, il est temps aussi d'éveiller la conscience de nos jeunes et d'inculquer au sein d'eux un patriotisme et des civismes citoyenne. Enfin, que nous préparions ensemble la relève de l'avenir de la nation. Enfin, moi, fraîchement élu à ce poste de président de la commune, s'engage désormais à ce que la commune de Belbela soit en avant tout, avant la ligne de la vision 2035 du chef de l'État, son Ismaïl Omer Guelleh, et intensifier donc les nobles actions citoyennes relatives à l'embellissement de la ville, qui est l'élément principal du plan d'action validé par le Conseil de Djibouti. Et notre équipe qui a donc couvert cet événement a pu également recueillir pour nous les réactions des participants à cette réunion. Avec deux thèmes. D'abord, le premier thème consistait de prendre contact avec les leaders communautaires de la commune de Belbela, et le deuxième thème était de lancer et de sensibiliser un nouveau partenariat entre le conseil de quartier sur deux thèmes sensibles, les collectes des ordures ménagères et les eaux usées. Au cours de ce travail, nous avons analysé la situation de chaque quartier vis-à-vis de ces deux thèmes. Et nous avons fait un travail technique avec les conseils de quartier dans lequel nous avons fait des recommandations qui vont être transmises à la municipalité et à la mairie de Djibouti pour avoir un mécanisme de suivi dans ce sens. Nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, le Covid-19. 10% de la population mondiale serait infectée par cette pandémie selon l'OMS. Environ 780 millions de personnes pourraient avoir été contaminées par le Covid-19 dans le monde, un chiffre bien supérieur aux données officielles actuelles de 35 millions de personnes positives. Le coronavirus, qui aurait déjà infecté 10% de la population mondiale, est un signal d'alarme pour la communauté internationale, a estimé hier le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, lors d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé sur la riposte à la Covid-19. À ses côtés, le directeur des urgences sanitaires de l'OMS, Michael Ryan, a expliqué qu'environ 10% de la population mondiale pourrait avoir été infectée, soit environ 780 millions de personnes, soit 22 fois plus que les chiffres officiels hier. Selon les données de l'OMS et l'université Johns Hopkins, 35 millions de personnes ont été testées positives dans le monde depuis le début de l'épidémie. D'après Tedros Ghebreyesus, dans le monde, 10 pays concentrent 70% de tous les cas et décès signalés, et seulement 3 pays en contiennent la moitié. Les 3 pays les plus touchés par la pandémie du Covid-19 sont les États-Unis avec 7,4 millions de cas, l'Inde avec 6,6 millions de cas et le Brésil avec 4,9 millions de cas. Le chef de l'ONU condamne l'escalade de la violence dans le Haut-Karabakh. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné hier la poursuite de l'escalade de la violence dans la zone de conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, malgré les appels internationaux répétés à ce que les combats cessent immédiatement, a déclaré son porte-parole. Guterres s'est dit très préoccupé par les informations faisant état d'une extension des hostilités, y compris le ciblage de zones habitées. Il a rappelé à toutes
les parties leur obligation de protéger les civils et leurs infrastructures en vertu du droit humanitaire international, a indiqué le porte-parole Stéphane Dujarric. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont à couteau tiré sur la région montagneuse du Haut-Karabakh depuis 1988. Des pourparlers de paix ont eu lieu depuis 1994, date à laquelle un cessez-le-feu a été conclu, mais il y a eu des affrontements mineurs occasionnels. Et enfin, tempête Alex, le bilan des crues s'alourdit en Italie et en France. Au moins 7 morts et de nombreux disparus dans le nord de l'Italie et le sud-est de la France. Les bilans s'alourdissent après les crues dévastatrices de vendredi dernier. Les secours sont à pied d'œuvre en Italie comme en France après les crues dévastatrices qui ont suivi les pluies diluviennes de la tempête Alex. Les dégâts sont considérables et le bilan humain s'alourdit. Dans les vallées dévastées par les flots, seul résonne le bruit des hélicoptères. Beaucoup de routes sont coupées. 4 victimes ont été retrouvées dans l'arrière-pays niçois et selon les pompiers, il reste encore 8 personnes portées disparues qui ont été vues emportées par les eaux. 13 autres sans nouvelles de 13 autres personnes et aussi recherchées. Et côté italien, on déplore au moins 3 morts. Emmanuel Macron est attendu en milieu de semaine sur la zone sinistrée. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.